C'est Balle de vrai match que contre moi. quand tu as les moyens et que tu es vraiment dans l'optique jeu de combat, c'est vrai que c'est peut-être un truc à faire les veaux dans sa vie, quoi. Ouais. Mais bon, après, ça dépend. T'as les moyens. Ça T'as les dépend moyens. quelle année aller, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Ça Parce dépend qu'il des faut jeux aussi. prévoir en année, tu vois. C'est voilà. Y a des moments à y aller, tu vois. Ah, Sensato, prochain niveau, ça sera intéressant. Puis en plus, toi, t'es J'avoue. un Canadien, tu vas te faire stream. J'avoue. C'est bon. Et puis, t'es pas mauvais aussi. Mais bon, Allez, trois n'oublions directement pas. possession d'entrée de jeu, Oh, rien ça à veut foutre. choper, ça veut choper. Allez, directement l'ouverture avec le Natural Disaster, et ça s'en met quelques chunks au passage. N'oublions pas qu'au prochain Evo hein, de 2016, tout va changer pour KI, hein, parce qu'il y aura la saison 3 instaurée. Ouais, il y aura surtout plus de monde avec la version PC. Je pense. Voilà le cross-up, merci. Elle combo breaker qui est là quand même. Là, oh là là, bon non. Ok, d'accord. Le bourreur en un mode, je m'en fous, je contre tout. Mais oh là là, magnifique cooldown Ouais, ça breaker c'est bien ici. Le joué ça. cooldown Ah là, breaker, ça il va a faire duré 1000 ans en plus. ouf. Il a duré tout le temps que Danois le réfléchit à combo breaker ou pas. Pouh, ça fait mal. Allez, ça va zoner au peacemaker ici. Avec un mur qui est placé, il Faut se pas prend une qu'il fasse le chope, con là il le va bourreur. mort. Hein. Oh là 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 là. Attention, attention. Oh non. Le shadow aurait pu. Le shadow aurait pu aspirer. Il peut pas sauter, hein. Il veut pas prendre le risque de sauter. Il y a toujours un bas gros point. Il y a toujours un bas gros point. Grosse patate. Oh là, ça. Bien joué. C'était ça qu'il fallait faire. Il y avait que ça à faire. Le contre-attaque. Il y avait que ça. Bien joué. Le terrain s'est réduit en quelque sorte. Ouais, saison 3 ça va être bien. Bah, ça va ramener du monde grâce à la hype de la saison 3 et puis ben, les persos par mois aussi. Et la version PC où il y a beaucoup de gens qui attendent la version PC. Ils ont pas envie d'acheter des Xbox One pour jouer au jeu. Ils ont envie juste de jouer au jeu et puis c'est tout. Et voilà. Hein. D'ailleurs, la saison 3 apparemment ils veulent faire comme la saison 1, c'est-à-dire sortir 6 persos en même temps. Et après faire le 1 par mois ou le 1 tous les 2 mois, je sais pas. Ah dommage. Il y avait de l'idée sur ce Shadow Possession, mais bon, les Boers qui a toujours une avance à la barre de vie, qui a son Shadow. Il peut toujours faire Shadow Ryusan ou même Possession. Hein, ça fait mal Shadow Possession comme ça tout simplement. Bien joué, dommage pour le chunk là, mais c'est pas grave, ça a continué, voilà, bien joué, hop, attention le shadow, dommage là sur le timing du dernier breaker, hein. Le timing qui n'était pas là, et le bois revient dans la course avec son premier match gagné. On rappelle que Dalmol, il y a 2-0, il y a 2-1 du coup maintenant, et donc du coup Dalmol a toujours balle de match, donc le bois, il faut vraiment... Qu'il fasse pas d'erreur hein, parce que Dalmo il pardonne pas avec son Aghanos, il pardonne vraiment pas, et du coup ben là il se mange la pression, les Boers, hein, pression, plus il faut bien jouer, faut pas faire d'erreur, c'est assez dur à contenir, surtout qu'il a ben, trois il a deux autres matchs à faire hein, ça fait 3 matchs en tout pour gagner, donc 2-1. Toujours pas de counterbreaker, hein. De toute façon c'est les mains à la vie à la mort ici. Sur la map d'Ultratech de Fulgore. Alors, tes capacités ont besoin pour booster mon niveau, je mesure sur les OS, mais je ne peux pas encore sur un stream. Comment trouver des OS? Payer un peu de costing. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas 50 000 trucs avec Thunder. C'est vrai qu'il y en a plein qui sont coachés en payant. Mais il y en a, ils gagnent leur vie, comme peut-être pas leur vie, mais bon, ils arrondissent les fins de mois. Mais bon. Mais si tu veux, il y a toujours le PayPal de KI France qui va servir pour divers événements, des cadeaux pour les CTU. Ou même, qui sait, pour du matériel ou des événements irréels. Hein. Ça, on est en train de voir.
aussi ouvrir le tournoi à l'européen, mais voilà, on va voir. On va voir encore. Il y a encore du chemin à faire, hein. Calife France n'est pas fini. Hein. On va revenir sur le match 2 secondes, hein, parce que bon, on est là pour ça. Dalmo qui en retarde l'énergie, mais sa zone. Le boueur, il attend, il est très bien là, le boueur. Et là, il faut choper. Voilà, bien joué. C'était le truc. Il faut choper en shadow en plus. Attention, le C. Voilà, la tornado shadow en entière. Très bien joué. Possession, malheureusement, non. Et il faut punir sur ces. Sur ces roulés-boulés ratés. Là, il y a Dalmo qui a 2 chunks. Attention, l'instinct. L'instinct possession, bien joué. Ça fait des dégâts quand même, hein. C'est 6 coups, 19%, hein. C'est pas négligeable. Hein. Ça, ben, ça fait petit à petit, hein, ça fait mal à la barre de vie d'Almol. Oh là 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 là. Hein, faut faire attention aussi à essayer de punir la possession. La possession bah, d'Isako, puisqu'en même temps qu'elle fait la possession, elle peut aussi contre-attaquer. Voilà. Et si tu essayes de punir au roulé-boulet, tu peux te manger ça et ça fait très mal. Ça peut faire très mal. Là, là, on voit, hein, on voit que la barre de vie continue à fond de Dalmolin. On dirait qu'il est empoisonné, sa barre de vie. Oh, bien joué ça. Oh, superbe. J'ai justement dire que Dalmol aussi rattrape sa barre. Enfin, rattrape sa barre. Rattrape son retard. Oh, magnifique. Oh, l'ultra, superbe. 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 Performance de la part de les boueurs, vraiment à attendre et tout. Bien joué aussi à Dalmol, hein, qui petit à petit rattrapait son retard. C'est vraiment là, y a combien de Subarashi. Il y a 2-2. Deux matchs d'affilée là, il rattrape, il veut pas lâcher la balle de match de Dalmol. Il veut pas la lâcher. Il est vraiment il est aux échalotes, hein, les boueurs. Il fait pas d'erreur le moins possible. Il essaye vraiment d'être safe le plus possible. Je suis en train de me dessécher, sa mère. Oh, j'ai trouvé un fond de 7-up. Fait du bien. Et sa combo counter en break Shadow Instinct Skin Aria, ouais. De la part de Dalmol, ça a pris Aria. Donc justement. Ah non, toi tu te posais la question sur Aria. Aria Glacius, c'est ça, ouais. Mais Aria Isako, moi pour moi, Isako. Hein. Isako. Surtout que tu vois, si tu sautes, si t'arrives à zoner et tu fais gros point là, tu sais, avec la portée de Naginata, tu peux presque tout le temps punir les drones. Hein. Mmh. Oh, le mec il me dit juste. Mmh. Comme si c'était rien du tout, alors que c'est quelque chose vraiment d'énormissime. Et là, ben là pour l'instant, ben, pour l'instant, le counter pick paye. Voilà, le drone baisse faible, suivi du shadow. Oh là là, ça, par contre, ça, si ça continue pas les combos, je sais pas ce qu'il a voulu faire, un reset ou juste c'est pas sorti quoi. Allez, c'est parti. Et là, ça va faire énorme. Oh là là, le counter, bah plus de drone. Allez, au revoir. Plus de drone baisse, voilà. Voilà, c'est ça le problème d'Aria. C'est voilà, 88%, il allait battre. Il aurait pu. Oh là 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 là, c'est 8 stuns, on déconne. Là, c'est compliqué, là, l'instinct qui est mis. Le dragon, enfin, le dragon crescendo. Il a ses 2 petits drones, voilà. Justement, les petits drones, au revoir. Le drone. Et il utilise beaucoup le crescendo quand même. Hein, ouais. Ah, surtout que moi, pour le coup, en instinct, je téléspulse le dragon avec la blade, quoi. Mais ouais, c'est bon, on a compris. La barre s'est envolée. Ok, c'est bon. T'inquiète pas, je suis au tout d'un coup. Ok, c'est bon. C'est rien. C'était un cargo Cisco Ming chez moi. t'inquiète pas. Le shadow. On fait 2 petits. Heureusement qu'il a combo breaké, parce que sinon le drone blade il était mort. Et là, si le drone blade il part, c'est pas bon pour Dalmol, hein, parce que le drone blade il est super efficace, surtout en assist. Mais tu vois, le crescendo il marche très bien sur les possessions ici.
Les boueurs 4 ont attention. Crescendo ascendant moyen, ça fait les combos. Le petit Shadow ici, le Ender tout de suite. Ouais. Le Ender Crescendo gagner, pour faire Wallsplat. Hop là, le petit drone. Bien joué. Faire attention. On va le réutiliser forcément. Ce qui est bien avec Dalmol, c'est que. Il mixe bien par rapport à d'autres joueurs derrière que j'ai vu, c'est que les drones, ils les utilisent peut-être de manière un petit peu plus safe. Et pas n'importe quoi avec. Je sais pas depuis combien de temps il joue Aria d'Allemagne. Bah depuis moi, depuis que je suis revenu des vacances. Avant le double XP, enfin de ce que j'ai... Voilà, ça va jouer les footies, ça y est, c'est parti. Aïe aïe aïe, hey, Shadow Counter, voilà, c'est la fin. Il a provoqué ça. Non, le coup de sort. Pas d'ultra. Pas d'ultra. Oh là là. Oh dommage. Oh dommage pour le boueur. Oh, il y avait tellement moyen. Ah oh, dommage. Oh là là. Il a. Tu méritais limite pas de gagner. Ah, grave. Il a. Dalmol, il a gagné grâce à sa nullité. Sérieux. Il a gagné grâce à sa nullité. 3-2. Putain, il m'a fait flipper. Oh là là. Bien joué, Dalmol. Bien joué, le boueur. Alors, Dalmol, ne t'en va pas. Hein. Non, mais non, mais t'en vas pas! Tout le monde te quitte, pas. Personne ne t'aime, Raito, mais tu peux t'en aller! Bah ok, super, bah c'est la fin du CTU! Allez, on vous dit écoute, bonne journée, bon week-end! Moi je vous dis bonne nuit! Oh là là! Il devrait y avoir des salts pour le boueur! Ah ouais! Des salts pour le boueur, quoi! Et ben donc du coup la finale Dalmol Zin, voilà, Zin qui est là, Zin tellement instable, Zin Dalmol, donc voilà. Est-ce que Dalmol va gagner, par gagner un CTU, je sais pas, est-ce que le mois de septembre est un bon mois pour lui? Je ne sais pas, après 9 mois il serait temps. Alors pareil. 9 mois de participation. Crotus qui est arrivé dans le chat, salut à toi. Allez, c'est parti. Dalmol qui reprend Aria, qui est sur une bonne lancée avec Aria. Qui va tenter le Aria, justement, Zin, tu en parlais. Ouais. Comme ça, ben, tu vas voir. Question-réponse avec Arthal. Voilà, ma première question pour Pasqui. Le match-up Aria-Glacius, ça donne quoi? Je vais voir tout de suite en image. Dalmol, si tu gagnes le CTU, tu me rembourses mon micro. Quoi? Je sais pas de quoi il parle, mais. Hein, j'ai investi pour pouvoir te parler. Allez, c'est parti. Match qui commence. Oh, déjà, hop, tu fais un petit combo direct, le combo breaker. Ça change, ça utilise le drone base, justement, qui est une bonne idée. Pourquoi zoner un zoneur? Parce que c'est une bonne idée. Mais là, ça zone pas du tout, là. Ça veut faire des coups de shotgun, des anti-aériens, alors que, bon, là, je sais pas tellement. Allez, mec, ça va utiliser les projectiles, ce qui est une bonne chose contre les graines. Mais de. Mais bien joué ici. Le Shadow après le drone baisse. Ouf, malheureusement. Le drone, hein. Ouais, ça, à mon avis, c'est trompé de drone. Hein. Mm. Ah ouais, mais là, les shutters, c'est violent. Station, cancel. C'est chaud pour Aria, nous dit Basri. Ouais, 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 là, c'est violent. Va falloir vraiment utiliser le jeu de zoning et gratter le maximum possible. Sinon, si t'approches trop. Il était sur une bonne lancée avec Aria, donc pourquoi pas, mais moi j'aurais pris Aganos direct. Ah, t'as vu là, il a eu tellement peur, il a direct cancellé son instinct. Ah ouais. Mais là par contre, heureusement qu'il y a le combo breaker, même si c'est de loin. Allez, on utilise. Ah, le booster drone qui a pris cher ici. Le c'est quoi ça? C'est le c'est base drone. Ouais, le base drone, ouais. Là, le base free drone qui est parti. Et le booster qui prend cher, mais elle comprend. Là, c'est parti, ça va être compliqué. Hein. Là, Zin, il devrait beaucoup plus zoner qu'autre chose. Oh, bien joué, là, l'ouverture avec l'explosive park. Malheureusement, il a pas continué derrière ça. Crescendo encore une fois, ça finit pas là-bas. Bien joué, là, le coup de la. T'es un zoneur, mec, tu fais mal, t'es Glacius. Ouais, ouais.
Là, Dalmol peut faire quelque chose. Si, fais attention, ça c'est pas bon ça. Il n'y a pas de Shadow Counter. Non. Il n'y a pas de Shadow Counter alors que le mec il a ses deux barres. Oh là là, le Blade Drone, le Booster Drone qui avait pris cher là. Ah, bien joué là. Non. Voilà, oh, combo breaker toujours là, suivi de l'instinct. Pour faire un petit dragon des familles. Fais gaffe quand même. C'est violent, hein. C'est vraiment dur. C'est vraiment très très dur. Là, c'est vraiment compliqué. Oh là, ça peut être la fin. Ça peut être la fin des deux barres. Déjà, il y a un drone, il est mort. Hein. Le booster drone, il est décédé. Attention, on parle de la vie d'Aria, mais la vie de Glacius aussi. Mais là, son instinct, là, ça va être compliqué. Par contre, pour Aria, voilà, il est mort. Il est mort. 1-0 pour. Casse-toi. Casse-toi. Totalement possédé, ce drone. Mais casse-toi. Moi je pense que Bast il a raison, Crotus. Hein. Pour Dalmol qui joue Aria du coup et Aghanos, moi personnellement je prendrais Aghanos qui va mieux contre un Glacius. Peut-être là justement il va réfléchir à son choix. Alors c'est en FT3 hein, mais comme Dalmol revient des losers, il doit faire 6 matchs quand même. Hein. Il doit faire 6 matchs pour gagner, 3 matchs pour Izzet. C'est compliqué. Il peut toujours prendre Aria, mais le problème c'est que déjà Zin il a un match déjà. Voilà. Il prend le Aghanos, ça c'était sûr. Déjà Zin il a un match, donc voilà quoi. Mighty Power. Pourquoi je chante ça? Je suis malade. Trop bien joué ici, ce moyen point direct. Oula, attention, fais attention quand même, hein. Ici il fait froid. Ici on est dans une map, on est au Canada ici, ok. Regarde, il y a Sensato là-bas qui promène un cerf, un caribou. Allez c'est parti, oh joli ça. Et petit reset en plus grave. Ça. Ça. Ah mais les cold shoulder c'est horrible hein. Grosse patate par contre, attention, respecte-moi. Je suis un caillou, tu es un arbre glacé. Mister Freeze à la monte. Je me fais pas peur. La shop qui passe pas. Ah c'est compliqué hein. Allez Dalmol, allez Zin. Oh putain, alors il y a des favoris sur le chat. Moi je suis pour le bois. Ouais. Dommage, il aurait pu faire son doublé. Il a fini 3ème, mais mais bien. C'est pour le follow. Follow. Salidi. Salingi. Allez, hey, ça c'est bien joué. Et il est quand même out en plus de ça. Il va falloir optimiser. Allez, tombe par terre. Petite pichenette. Allez, c'est serré entre les deux joueurs. Oh, bien joué. Heureusement qu'il avait un chunk de ce coup. Ce coup de rein. Sans déconner. Oh là là, les chunks. Bien joué. Il a fait qu'il avait un chunk. C'est bien ça. Très très bien. Allez, là, ça faut faire des leurs dégâts. Hey. Barre de danger ici pour Zin. Ça fait mal. Mais Zin, il a l'instinct. Il a ses deux barres de shadow. Oh là 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 là. C'est fini. Oh. Ça finit. Allez, t'y vois, aïe tout. Ah, ça finit. Allez, voilà. Reprendre son main, hein, ouais, ça paye. Ça paye surtout pour un match-up comme ça. Grande finale, hein. Ouais, grande finale. Grande finale. Grande finale 1-1 pour les deux joueurs. Là, c'est tendu. Que la force soit avec eux. Ouais. Est-ce que Dalmo le gagnera ce CTU? Est-ce que la prophétie a été mal interprétée? Est-ce que Dalmo finira par gagner un CTU? Donnez-lui votre énergie. Voilà. S'il gagne pas, bah écoute, un jour il vaincra son handicap. Voulez-vous? Mais bon. Allez, il faut qu'il gagne quand même le Call of Duty Advanced Warfare. Gars, oh, on est en fin d'année. Voilà. Faut quand même qu'ils font au piou piou piou. Ah. Attention, faire par spinal. Merci à lui encore une fois. Notre banque. Non, banque ça donne pas d'argent, pardon. Notre trop bienfaiteur.
après je m'aperçois que je perds contre les Isako et les bons canards help. Bah, tiens, si, quand tu sais moi, tu vois, je vois ça. Allez, directement, on peut dire rien à faire. Mais Dalmol, je rêve ou il est en mode perfect là? Ah bah, il veut son ouais, match là, là il est plutôt sur une bonne lancée. Hein. Oh, oh ce non, counterbreaker non, non, non. Oh, oh le. Hey, oh, mais... hey, hey, hey. Remettez tous ces chunks. C'est ridicule d'avoir posé un mur ici. Enfin, ce qui est ridicule, c'est l'espace de l'arène. En oh fait, là hein. Là, ouais. Et voilà, il joue bien. Zin, il a beau faire. Il peut pas s'en aller, Zin. Mais non, mais il a beau faire des shadows machin. Il y a les chunks quoi, de Dalmol quoi. Et puis voilà, Dalmol, on... Dalmol ça choque beaucoup. Oh là 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 là, il fait des trucs. Le mur est là, il ne peut rien faire, il peut pas s'en aller, il peut pas établir son jeu de zoning. C'est complètement à l'avantage de Dalmol ici. Oh là 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 là, mais c'est tellement bien joué stratégiquement parlant d'avoir mis un mur ici. Là c'est tendu, là c'est tendu. C'est vraiment très très propre. Oh là là en plus. Oh là là, ah ouais non mais là. Ne fais rien à la relever mec, ne fais rien. Oh là là. Là, oh, là, c'est là. Fini. C'est ah fini. Ultra stage. Oh là là. Oh là là. Ultra stage dans le mol. Oh là là. Oh là là. Quel sac. Juste pour ça elle a perdu. Là, la Zin, il était dans le blackout le plus total. Ah ouais, mais avoir mis le mur là où il l'a mis Dalmol, mais franchement c'était fort. Ben, impossible de zoner. Zin, il peut rien faire au corps à corps parce qu'il y a les chunks de Dalmol. Ouais. Donc du coup direct il se mange une chope. Il retrouve du truc. Il peut pas sauter au-dessus d'Aghanos, donc cette option elle est morte. Il est obligé d'aller dans le coin. Et s'il saute, il se retrouve dans un coin encore. Ben, moi, c'est différent. C'est pas possible. Non, Dalmol est admin, il peut pas gagner. Les admins gagnent pas. Regarde Artel par exemple. Salut. Oula. What the fuck? Il a raison. Il a pas tort, un bon counter pick contre Aghanos. J'ai jamais pu jouer plus loin. Moi aussi, mais attention, hein. Il ne faut pas vendre la peau de tuer avant de l'avoir ours. Hein. Ouais, tout à fait. Attention, Fulgore qui est un très bon choix hein, contre Aghanos. Un téléport shop, ça a toujours fait son effet. C'est ça. Et un bon jeu de zoning aussi. Hein. Beaucoup plus pour le coup, comment dire. Agressif qu'un Glacius hein, s'il se retrouve dans la même situation que son match précédent. Ce fake cross-up, c'est tellement bien joué ça de la part d'ailleurs, de d'ailleurs, balle de reset hein, pour Dalmol. Hein, pour le coup. Ah ouais c'est bah, 2-1 Il me semble qu'il y a 2-1, ouais. On verra de toute façon à la fin du match, mais il me semble qu'il y a balle de reset pour Dalmol. Bah pour le moment, c'est Dalmol qui mène la danse, toujours dans ce coin droit, hein, en pressing. Et bon, toujours... Oui, bah oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça. Vous nous donnerez juste le score final. Allez, pour le moment, ça y est, il a replacé son mur. Et je veux voir du coup ce qu'il peut faire avec Fulgore. Je rappelle qu'il a presque un Devastation Beam dans le carton là. Ici, il a toutes ses barres. Non, tu peux pas reculer, ça sert à rien. C'est pas la peine de faire des soirées. Essaye de sauter contre sur le mur. Ah oui, mais ça sert à rien. Dans la précipitation. Allez, là, il a toutes ses barres, hein, le Fulgore. Il a toutes ses barres. Malheureusement, les chunks là, ils font le café. Oh là là, il est en danger, c'est un quasi perfect. Oh là là, c'est non. Un quasi perfect. C'est pas terminé pour c'est autant. C'est fini, c'est fini. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait à la relever. La garde, ouais. C'est arrière. Je sais, ok, à mon avis, à chaque fois, il doit être pris de panique, tu vois. Ouais, je me dis ça aussi, ouais. Pris de panique, tout ça, ça me rappelle un peu. Ça me rappelle un peu tout Ben bah, contre Dalmol aussi, hein. Qui a perdu son sang-froid. Je pense que Zin c'est un peu pareil. Bon, attends, là il y a. Alors, est-ce qu'il y a 3 trois... Oui, ouais, donc c'est ça, donc reset. Oh, d'accord. Reset de Dalmol. 3-1. Donc, Dalmol pour gagner, il faut qu'il arrive à 6-1. Voilà. C'est parce ça. Que sur KI France, on sait compter. Ah, mais là il a trouvé la strat. Hein. S'il arrive à placer son lion comme et ça. Et du coup, il repart sur un Zin. Ouais. sur un Glacius. Mestor alors, qui repart sur un Zin. Sur le personnage Zin. Putain. Eh, hey, Touben, fais-nous un Mugen avec les. Pas les personnages, tu vois, mais les mecs qui jouent les joueurs. Mais les personnages, mais tu remplaces les noms parce que des mecs qui les jouent.
Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, les mecs ont tout le temps le même perso, t'as associé quoi. Ah. Reset, j'avoue. Reset. Là, ils veulent le mettre à terre, regarde, là ils veulent le mettre à terre, il veut pouvoir faire en sorte d'avoir un chunk de disponible en plus. Donc là justement, il va pouvoir leveler le nombre de chunks et se mettre un mur justement, je pense, derrière encore une fois. Il va établir la strat, non, pas encore, ici, voilà, ça y est, c'est fait. Malheureusement, il avait pas assez de chunks pour permettre d'avoir suffisamment d'armor pour pas subir de hitstun. Du coup, le mur est affaibli, malheureusement, c'est à son désavantage. Il a son instinct, hein. Voilà, c'est ça, coach shooter, c'est la vie, coach shooter. Il se remet pas de chunk, il a pas le temps. C'est la vie, coach shooter. Oh là là, les combo breakers. Bien joué, ça. Aïe, bien joué, ça, ça fait mal. Ça fait très mal. Étant donné qu'il a le peacemaker, même si le mur tombe, ça il finit, pourra ça toujours finit. En remettre un autre. Ouais. Ça va lui permettre de mettre, de garder des chunks, vu que le peacemaker est un très... Oh là là. Mais arrêtez-le. Et bientôt, il va péter le poteau, c'est comme le stage de Saber, là... Dans les anciens Kaïd, tu peux péter le mur et tout. Oui. Il va faire ça, Dalmol. C'est tout un Kaïd. Oh là là. Eh, mais c'est terminé. Eh, mais le match-up, ça devient 100-0, là. Oh là là, le counter breaker, c'est la seule chance de Zin. Ouais, mais non. Et le paddle punch, malheureusement, s'il est parti dans le... C'est pas suffisant. Ah, c'est mort. Pam. Bah, le paddle punch, il est parti en punition dans le chunk. Et ouais, du coup, après, ça. Dalmo, il a réussi à mettre sa garde. Entre deux paddle punch, voilà, t'as le temps de mettre ta garde. Il arrive pas à trouver. Ça. Ah ouais. Il arrive pas. Pourtant, il y a plusieurs solutions. Hein. Déjà, je trouve qu'il y a la shop, qui en plus est prio après. Oui. La shop de Glacius. Parce que il fait. Et les cold shooters. Les cold shooters contre Agano, c'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est comme ça d'ailleurs qu'il l'a tué hein, en demi-finale. Fishop, il met. Shop, t'es dans le corner. Après, voilà. Tu fais ce que tu veux. C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même faire shop, reset, shop. Et ensuite, voilà pour le chat noir. Mais je me demande s'il bourre pas justement déjà la shop en fait. Bah non, parce que. Sinon, au minimum, il y aurait eu des shops d'Aganos, de Dalmol, tu vois. Ouais. Vu que Dalmol shop aussi, donc du coup, il y aurait eu des shops. Ah, mais cette strat, sérieux. Ouais, ah, Ganos. Là, il a trouvé Maxi Strat anti-Zin là. Ouais, c'est ça, parce que Ganos hype, c'est complètement ça. Ouais, c'est ça. Allez, voilà, ça commence à faire des chops. Et là, du coup, il va essayer de remettre dans le coin, j'imagine, Dalmol. Mais il faut faire attention du côté de Zin. Il faut pas qu'il se fasse presser dans le coin comme ça. Oh là 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 là, ils sont dans le coin. Voilà, là maintenant, tu le presses étant donné qu'il est dans le coin. Tout ce qu'il peut faire, c'est en sortir. Toi, il faut que tu le laisses dans le coin. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment violent, hein. C'est vraiment trop violent. Il se remet un chunk, il balance le deuxième ici, avec encore une fois un chunk qui est conservé. Les shatter, malheureusement, c'est en armor, donc ça passe pas ici au niveau du hitstun, et ça fait des dégâts. Ça remet un chunk en plus de ça ici avec le Ender. Le mode attack est activé du côté de Glacius, Cold Shoulder. Ça enlève le chunk, cela dit, mais il est toujours en avance à l'énergie ici, Dalmol, alors que le mode instinct de Zin est en train de tomber. Et même qu'il est gratté carrément au niveau des barres de vie. Il a plus de mode instinct ici, Zin. Malheureusement, il y a le combo breaker, ça lui permet de se remettre un chunk. Tu verras, c'est gardé, tout est gardé, c'est bien joué là le shader. Au moins il prend pas de risque avec un cold shoulder de, comme attaque frontale. Et en plus, il fait tomber le chunk de Dalmol. Peacemaker, là il va zoner, il va complètement zoner, voilà, ça c'est bien joué là la part de Dalmol. Il a vu dans les matchs précédents que Glacius utilisait les liquidice, donc il attend un petit peu, il voit ce qui se passe. Là il y a un mur du coup qui est posé, il peut pas reculer ici. Il peut pas reculer, il attend le peacemaker. Là ça va. Oh là, il est trop loin. Là je sens que ça va gratter du côté de Dalmol. Oh là là, pourquoi lâcher la garde? Oh non, trop loin malheureusement. Vraiment trop loin. Allez, ça fait tomber le mur, ça je pense. On verra après du coup. Et du coup il revient, il a été très patient. Non, ça fait pas tomber le mur. Et non. Ça je le prends. Oh là là. Le sel. C'est ça, le sel, la baleine. Oh putain. Allez, ça se remet à chunk. Allez, hop là. Eh, ça met un mur. Pas encore de mur. Allez, hop là. Eh, attends, c'est pas fini là. Non, il y a 5-1 là. 2-0, mon gars, putain. Oh, Dalmol, le Aganos. The Aganos, mon gars, s'il te plaît. Ah ouais, grave. Oh la vache. Get hype, là y'a que ça à dire, sans déconner. Vérité du mur. Il
dernier mec qui a abattu Dalmol habitait en face d'un cimetière, maintenant il a bien passé chez lui. Voilà, c'est tendu là pour le Zin. J'avoue, Aganos va gagner son tout premier tournoi. Eh, hey, on sait. Bah hey, là, c'est là, c'est la doublette là, hein, Dalmol Aganos. Ouais, c'est ça, mais on sera le ce sera la première fois, le CTU numéro 9 sera le premier tournoi où tu vois un Ganos gagner, ça veut dire. Ah ouais, attends, il y avait pas un Kios Non, c'est pas Zerkiller qui a gagné qui avait gagné le KOS World 2. D'accord, OK. C'était je crois que la finale s'était déroulée entre Belze et Ulsadira, j'ai plus le nom. Je crois que c'est Mittonson, je crois, là, ça dire en question. En tout cas, la Zin qui s'est énervé un petit peu là, ah qui ouais, a envoyé la moitié de barre de Dalmo. Oh, 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 oh. Et qui va s'en manger à l'infini. Et attention hein, quand même, hein, même si Dalmo fait une excellente remontée sur cette finale. Hein, sur cette et finale, remontée, même pas de remontée, hein, qui fait des no-match. Il faut pas sous-estimer le Mr. Zin, hein, attention. C'est pas fini, mais toujours dans le coin, toujours dans ce coin. Hein, Dalmol, il a compris où il faut aller. Ouais, mais il a pas de chunk, et du coup, les shaders sont gratuits ici, et du coup, ça permet à Zin de prendre l'avantage assez considérablement. Ouais. Ici, surtout avec les paddle punch, et encore une fois, les shaders à la relever. Le Kizeme qui est violent, Est-ce qu'on va avoir le droit direct? Attends, là, c'est chaud, paddle punch. Voilà. Ouh. Et les mecs, ils me font transpirer, limite, quoi, sans déconner. Eh, hey, Dalmol, faut pas te relâcher, hein. Dalmol, t'es à 1-7 de la victoire, te relâche pas. Moi, j'avoue, je suis pour Dalmol, là, pour le coup. Clairement. Ce qui fait 2-1, pour le moment. Allez, toujours balle de match ici pour Dalmol. Allez, on est parti dans le stage de Thunder. Allez, Pulverize, c'est pas puni pour autant. Et attention, ça c'est dangereux, ça c'est très dangereux. Il a plus de chunk, Pulverize, Naturalisateur, le combo breaker qui est là. Je suis vraiment hypé par ce match, hein, sans déconner. Naturalisateur trouvé ici, mais il n'y a pas de combo breaker. Allez, l'ouverture qui est trouvée ici de la part de Glacius avec le pal de punch en end. Bien joué ça. Allez, ça va presser dans le coin. Voilà, c'est bon, tu restes au sol, mon Kayar. Tu ne bouges pas d'ici. Attention à la grêle, cela dit. Hein. Attention à la grêle, ça peut être un piège. Dalmol qui est patient, mais il a pas de chunk et du coup il est vulnérable. La chope pour avoir les frames d'invincibilité. On se remet un chunk, voilà. Mais il y a l'armure du côté de Glacius et le Shadow Counter qui est pas bon. La chope s'est déchopée ici. Oh là 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 là, les armures qui partent dans tous les sens ici. Allez, ça se remet pas de chunk pour autant. Pulverize malheureusement, c'est dans le vent ici. Les shitters qui passent, il a pas de chunk encore une fois. Cancel avec le mode instinct ici. Ça va zoner au Pulverize, au Peacemaker, pardon. Voilà, et voilà. On dirait que c'est la barre rouge, tu sais, alors que c'est juste la verte, quoi. C'est exactement ça. Eh, hey, mais je suis trop hypé, sans déconner. Ah, bien joué, ça. Allez, Shitter, ça, c'est bien joué, ça, en anti-air. Très, très propre. Il a un chunk, il l'utilise, qu'il reprend. Ah, bien joué. Ah, ça gratte. Allez, pour le moment, les deux joueurs qui sont pratiquement à égalité, petite, toute petite avance à Dalmol. Oh là là, dans le cold shoulder, dans les dernières frames du cold shoulder, sans déconner, Dalmol. Allez, directement, on ouvre la garde et on fait mal avec Glacius. L'ouverture qui est là, mais il a pas de chunk, encore une fois, Dalmol. Et quand il a pas de chunk, il est vulnérable, combo breaker. Peacemaker qui est activé, on se remet un chunk, il va pouvoir zoner ici. Il se remet un mur, c'est très bien joué, ça, parce que ça va faire de lourds dégâts. Ça, c'est très bien joué en anti-air. Oh là là. Oh, il a déconné. C'est pas bon du tout, voilà, voilà, là il est en danger, il est en danger. Un home run, c'est fini, hein, un home run, c'est fini. Il a essayé de choper parce que ça aurait été. Mais là, le mur, c'est pas fini, mais toujours qu'ils sont en danger. Oh oui, oh oui, oh là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, un truc de fou, un truc de fou. Mais vous allez me tuer jusqu'à la fin du CTU, sans les comptes, le dernier match de la grande finale. Ah mais c'est fini. Laissez-moi respirer. Putain, sans déconner.
C'est quoi ça? Oh les putain, c'est chaud. Hey, j'ai le cœur qui va lâcher, sans déconner. J'ai pas vu le score, putain. Je crois qu'il y a 3 pour Zin et 5 pour Dalmol, c'est ça? Ouais. Mais là, il y a 2 partout. Non, il y a 5-3 au total, mais là, il y a 2 partout. Ouais, au total, 2 partout. Ouais. La balle de match pour les deux, quoi. You need to jump, bigot with Zim, imbocable every single time. Oh my fucking god! You should have Falcon Punch! Falcon Punch! Allez, le mur est placé, ça y est. Ouais. Ça y est, le mur est placé. Le retour, là, le retour, c'est un autre match-up. C'est le setup d'Almol. C'est le setup d'Almol, tu vois. Ça, c'est le setup d'Almol, le wagon. Oh là 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 là. Zin qui est complètement comprimé. Non, fallait le laisser dans son coin. Fallait le C'est pas grave, c'est pas grave, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, et là, attention, il y a l'armure. Ah, mais ça fait 2-8 ce truc là, forcément. L'armure qui sert à rien. Mais ta garde, Zin, quoi. Mais ta garde. Le nombre de chunks en plus de ça. Oh là là, à fond les chunks. À fond les chunks. Putain, mais ta garde. Ah là, le match il est plié, le match est quasiment plié, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah voilà, enfin. Là, voilà, maintenant faut attaquer. Non. Oh là là. Faut attaquer directement Zin. Bien joué ça. Un cold shoulder ou quelque chose, cold shoulder, s'il te plaît. T'as pas continué là-dessus. Chop cold shoulder et tu attaques et tu fais tomber et le mur qui tombe et du coup ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'espoir. Mais là c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué. La Zin qui est un petit peu apeuré, qui ne sait pas trop quoi faire. Il a encore un chunk. Il enlevait tous ses chunks, il enlevait tous ses chunks. Le cross-up qui est là, la chop malheureuse. Qui a été évité. Alors malheureusement. Non, non. Pourquoi tu rates? Pourquoi tu rates? Faut pas faire de reset comme ça. C'est compliqué là. Mais c'est même pas un reset là, le mec a raté. Il a une barre d'avance, il a son mode instinct ici, Zin, mais je sais pas s'il va pouvoir l'utiliser. Il a une barre de metteur, il faut qu'il l'utilise. Oh ça whiff. Mais c'est compliqué. Oh ça whiff. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Ça veut rien dire ici. C'est grand. Il est mort, il est mort. Il est mort. Oh là 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 là. Le mec il gagne quand il est malade. Attends, le mec il gagne quand il est malade avec une shop qui glitch et avec un Aghanos, bordel de merde. Oh là 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 là. La victoire de Dalmo. La victoire de Dalmo, les gens. Enfin, ça signe deux choses. La première, c'est enfin une victoire de Dalmo dans un CTU. La deuxième, c'est le premier tournoi mondial où il y a un Aghanos qui gagne. Oh les mecs, vous m'avez fait transpirer, putain. Putain. La victoire de Dalmol. Oh la vache. Oh j'en peux plus. Oh je vais aller me poser après. Putain. Dalmol, bien joué Dalmol. Dalmol revient sur Skype, putain. Oh mais non, on va l'entendre tousser là. J'avoue, ah oui c'est vrai, c'est oh, vrai. Oh non, ouais, non. Si tu veux. Oh putain. Non non, marque sur le chat, c'est mieux. Aghanos hype. Aghanos totalement hype. Hein. Oh putain. Ah faut prévenir. Hey, je sais pas, Basri, préviens Kate, préviens Red Galaxy, préviens les Américains. Dis qu'on a le premier qu'on est le premier tournoi avec un Aghanos qui a gagné, fais ce que tu veux. Et les Portugais aussi. Faut les prévenir. Quoi, c'est important. Les Portugais aussi. Oh putain, j'en peux plus. Oh j'en peux plus, sa mère. Ah, ils m'ont tué les deux. Bien joué Adamo, tu as gagné le Call of Duty de ce final. GG à tout le monde, hein. GG à tout le monde, bien joué. GG à Adamo qui a enfin remporté son tournoi. Aghanos from the world. Qui a remporté son tournoi avec son Aghanos, il était temps. Qui a totalement brain Zin. Ah ouais, mais à la fin, ouais, mais le setup, ce setup... Qui est le seul qui a pas rage-kit, parce que là, vraiment rage-kit, tu vois. Oh, punaise, c'est pas vrai. Bien joué. C'est attends, le GG. Y a pas un Zin qui traîne, là, sur Skype? Non, il est pas là. J'en peux plus. Du rouleau, mec, hein. Ils m'ont tué, putain. Ils m'ont tué. Oh, la vache. Voilà, tu peux montrer définitivement le challenge qui est complété. Ah. Voilà. Non, je peux plus le bouger. Oh, c''est à fond. Oh là 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 là. Ah bah Zin, si tu peux venir sur Skype, ce serait bien. Oh. Non mais toi t'es salé. Hein.
S'il peut, parce que Dalmol étant malade. Franchement, bravo Dalmol, hein. Le mec, il gagne avec Aganos. Il gagne en étant malade. Et il est le premier Aganos au monde à avoir gagné un tournoi Killer Instinct. C'est le premier des. C'est la première fois qu'il y a un Aganos qui gagne un tournoi. Et bah, c'est Dalmol qui l'a gagné. Non, mais ça va, easy. Je veux dire, normal, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, easy. Il n'y a pas de Voilà. quoi fouetter un chat. Hein. Chat Donc, noir. Ouais. Là, c'est. J'en peux plus. Vous m'avez tué avec cette grande finale. Déjà, le mec, il part sur un reset. Et après, il y a un 3-2 en grande finale. Merde. Bien joué, ouais, bien joué. Je vais inviter Vas-y. Zizi. Non, c'est pas ça. Dalmol qui s'écho aussi. Ah, Dalmol aussi, il s'écho? Ouais. Ok, je l'appelle aussi alors. Hop là. Hop là. Ah bah. Hop là. Allô? Allô, c'est Diego. J'agonise. Non, vous m'excuserez, mais je suis malade en fait, j'ai une putain de grippe. J'ai des pics de fièvre à 40, c'est juste la loose. Oh la vache. Oh punaise. Bravo. GG, Danwell. Ah ouais. Enfin, tu l'as eu. Ah, bien joué, Meister. Tu m'as fait transpirer sur la fin. No brain du master. Master alors? Nos billets dans le. Hein? Faut Dans pousser le du coin? coin? Hein? Alors, le coin, il est où là? Oh la vache, la Bien violence. joué hein, quand même. Hein. Bien joué à tout le monde, hein, les gars. Hein. Ah bah ouais, très très Attention. bon tournoi. Très très bon CTU de qualité. C'était Beaujolais, quoi. Quelle terre, Ah putain. Alors sinon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tournoi en général? Vous avez Ouais, kiffé? C'était bien. je peux commencer? Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Pour moi, en fait, c'était étonnant quand même combien de gros gars il était en loser très vite, quoi. Ah oui, ça c'est Comme, l'effet Evo. Après, non, mais c'est aussi après l'effet, je veux dire, Bast et Belzé, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas sur Kali non plus. Ah oui. Et le niveau a vachement augmenté. Hein. Nous, j'étais en groupe d'amis avec eux et ils l'ont remarqué. Il y a vraiment le niveau a bien bien monté sur la scène francophone et ils l'ont bien vu quoi. Ça dose, ça dose. Et c'est bon. Oui, c'est ça. Ça dose, ça dose. Bon, ça y est, t'as gagné ton CTU. Ouais, le premier, Ça y est. il était temps. T'as Enfin, gagné. le nombre de fois où j'ai été dans le top 3. Tu as gagné Call of Duty. Wouhou! Merci, Toi. Spinou! Merci Spinal. Ouah, Flash 66. Ah non, c'est un faux Flash 66. J'allais dire, c'est le vrai. Tu as gagné. Bon, ben, Zine, la prochaine, hein, elle est pour toi. Hein. On te réserve le CTU10. Ok, on te Putain, réverse ça fait la ça. deuxième fois que je fais la deuxième place, mais putain de merde. Évidemment, le putain, il m'a fait chier Ouais, avec c'est. ces putains de pierres. Hein. Ah, Non, mais ouais. la pierre, c'est dur. Hein. Sur la fin, j'étais full chunk, t'as mis l'armor, j'avais un pacemaker en main, j'ai fait, je vais mettre que des chopes, il peut plus rien faire. Ah mais ça c'est comme ça tu sais quel match-up t'as fait avant le prochain CTU le mois prochain Oui, mais c'est dur à trouver le mois d'octobre un bon Aganos. un mois Aganos. Bon on a Super Panda hein, on a Xangel aussi qui est pas mal avec Dalmolin hein, deux bons Aganos hein, aussi puis après Moi je connais après que Moi, Zerkiller en je veux pas étranger. m'adapter aux autres joueurs, je vais jouer mon jeu. Ah oui, non, mais moi je parle à t'as fait le match-up contre des Aganos, tu vois. Super Panda c'est un Aganos. Voilà. S'il faut travailler le match-up contre un perso, faut jouer contre le perso, tu vois. Donc, bon. Assez compliqué quoi. Mais voilà, on te réserve une place. De toute façon, tu pourras revoir tes erreurs et.
et les erreurs de tout le monde sur tous vos matchs pour les participants, parce que ça sera 30 ans de jeu de combat, ça sera uploadé sur YouTube, hein, il y aura la VOD, ne vous inquiétez pas sur ça, dans la semaine à mon avis. Et voilà, bah écoute, bravo Dalmol pour avoir gagné, bravo Zine aussi pour être allé jusqu'en finale quand même, hein. C'est la finale, c'est pas rien. Et bah écoutez, on va se laisser là, hein. Tranquillou, un petit samedi, quelle heure il est ? Voilà, 7h moins le quart, un petit un petit CTU tranquille, pépère les familles. Je crois qu'on a perdu Artal. On a perdu le pigeon. Allô, petit colibri. Cuit. Donc écoutez, tout ça sera uploadé dans la semaine. Il y aura les sessions du jeudi, le temps du prochain CTU, des streams de Bass Free en cours bientôt. Sur KI France en français et tout, des questions, réponses, tout ça, plein de trucs. Shadow Diego, on attend toujours. Apparemment, il y a un trailer mytho de King New avril 2016. De avril 2018. Toujours de l'actu sur KI, hein. Mais bon, j'aimerais bien quand même une petite mise à jour système et tout du jeu au mieux des persos tout le temps. Et puis voilà, nous on vous dit à bientôt sur KI France, et puis on se fait des bisous. Ouais. Voilà, bisous. Allez, à plus, bye. Salut. Des bisous.